1953, il a fait partie d'un groupe de P-47 qui se retrouve dans l'armée de l'air péruvienne et il a rendu de bons et loyaux services jusqu'en 1967. C'est quand même assez incroyable. Un avion qui a été stocké, il a été sorti de son hangar et garni en état de vol, et ça tournait toujours aussi bien. Là aussi, Pratt & Whitney, incroyable motoriste, fournit ce moteur qui a entraîné des milliers et des milliers de P-47. On l'entend et aujourd'hui, il tourne toujours aussi bien. Le problème majeur, la morphologie de cet avion le rend peu compétent en bombardement, à cause notamment de ses ailes et de la tête de la